1, 2, 3, 4. Je m'appelle Victor, j'habite à Aubared et je vais aller en 5e. Et ma passion, c'est le sport. Je fais du judo et du rugby. Bonjour, je m'appelle Valentin, je passe en 3e. J'habite à Aubared, en Midi-Pyrénées. Mes passions, c'est le cinéma et les sorties entre potes. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 12 ans, j'habite à Aix et ma passion c'est le waterpolo. Bonjour, je m'appelle Kenny, je passe en 6e. Ma passion c'est le football et j'habite à Feugarol dans Lot-et-Garonne. Bonjour, je m'appelle Alison, je passe en 6e, j'habite à Tremblay-en-France dans le 93, ma passion c'est les chevaux. Bonjour, je m'appelle Sarah, je viens du 93 à Tremblay, mes passions sont la gymnastique et je passe en seconde. Je m'appelle Kylian, j'habite à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Ma passion, c'est les animaux et le hip-hop. Tu passes dans quelle classe? En CE1. Bonjour, je m'appelle Kevin, je viens d'Eure-et-Loire, j'habite à Coulon. Ma passion, c'est l'athlétisme et je passe en CM2. Bonjour, je m'appelle Kevin, je viens de Sabarat, en Ariège. Je passe en 4e et mon sport préféré, c'est le tennis. Je m'appelle Axel, j'ai 13 ans, je passe en classe de 4e et j'adore le foot. Et je viens de Josselin en Bretagne. Je m'appelle Mathieu, j'ai 13 ans, je viens de Lézigny. Je passe en 4e et ma passion dans la vie, c'est l'aviron. Bonjour, je m'appelle Célia, j'habite dans le Morbihan, à Josselin, j'ai 10 ans, ma passion c'est la natation et le bateau. Et tu passes dans quelle classe? Et je passe en 6e. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4. Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 10 ans, je passe en CM2, j'habite à Lézigny dans le 77, ma passion c'est le hand. Je m'appelle Wesley, j'habite dans les Guémardières, dans les Pays de la Loire. Ma passion, le tennis et le tennis de table. Et je passe en CM2. Bonjour, je m'appelle Adrien, j'habite à Dreux dans l'Eure-et-Loire. Ma passion, c'est le tennis et je passe en 6e.
Bonjour, je m'appelle Claudia, j'ai 14 ans et demi, je viens de Sabarat dans l'Ariège. Je passe en seconde et j'aime beaucoup la natation, le ping-pong et d'autres sports. Bonjour, je m'appelle Emeric, j'ai 12 ans. Je passe en 3ème, j'habite à Nogent-le-Trou près du Mans. Mes passions sont le tennis et le surf. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 13 ans, j'habite à Toulouse, je vais passer en 4ème et ma passion c'est le basket. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 12 ans, j'habite à Rouen en Normandie et ma passion c'est le basket. Bonjour, je m'appelle Marine, j'habite à Coubron dans Paris. J'ai passé en 5ème et mes passions dans la vie sont la danse et l'équitation. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'habite à Paris, je passe en CM2 et ma passion c'est le foot. Bonjour, je m'appelle Victor, je vais passer en CM2 et j'habite dans les Deux-Sèvres, à Auger, ma passion le rugby. Bonjour et bienvenue pour cette seconde édition d'Aventura 2010. Ce matin, les trois équipes vont s'affronter dans l'épreuve de la piscine, les bleus, les verts et les oranges. Cette épreuve consiste à aller sous l'eau en apnée pour ramasser un nombre total de pièces. C'est la somme totale des pièces qui définira l'équipe gagnante. Nous leur souhaitons bonne chance. Attention, 3, 2, 1, partez!
L'épreuve de la piscine vient de se terminer avec brio. Nous allons passer au résultat. Alors, troisième sur le podium, avec une somme de 33,29€, l'équipe des Oranges. En deuxième place sur le podium, avec une somme totale de 42,87€, les Bleus. Sur la première marche du podium, avec une somme de 46,67€, l'équipe des Verts. Bonsoir et bienvenue dans cette seconde édition d'Aventura 2010 pour la première veillée qui sera constituée de 4 jeux. Le premier jeu s'appelle le chef d'orchestre. C'est un candidat qui est le chef d'orchestre et un candidat d'une autre équipe doit deviner qui est le chef d'orchestre. Le deuxième jeu s'appelle Médor et son os. C'est un candidat qui a les yeux bandés à 4 pattes et qui a une balle. L'autre candidat a les chevilles bandées et doit essayer de lui prendre la balle sans se faire toucher. Le troisième jeu s'appelle l'assassin. C'est un candidat qui se met à l'écart et quand il revient, il doit essayer de trouver l'assassin de l'équipe adverse qui, d'un geste de l'index, tue ses adversaires. Puis enfin, le quatrième et dernier jeu, le pauvre petit chat malade. Il s'agit d'un candidat qui va jouer le chat et miauler face à un de ses adversaires. Cet adversaire désigné devra lui caresser la tête 3 fois en récitant la formule « pauvre petit chat malade » sans rigoler. S'il rigole, le chat remportera 10 points. Nous leur souhaitons donc bonne chance et une bonne soirée. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau, Iseo, Santiano, 18,400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Je te donne un indice, il est chez les Bleus. Santiano. Il tient bon le vent, Iseo. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau, Iseo. Santiano. Il te reste 15 secondes. Non, touche pas. Qui est l'assassin? Ouais, bien joué. Ah, okay. Attention, Mathieu, c'est bon, tu peux revenir. C'est parti. Et il y a de plus en plus de morts. Dépêche-toi. 30. Bien joué. Attention. Petit chat malade, pauvre petit chat malade, pauvre petit chat malade. Petit chat malade, pauvre petit chat malade. T'as perdu, tu rigoles déjà. Essaye plus fort. Et comme le veut la tradition, chaque veillée se termine avec un chant traditionnel, Santiano. Oui, Santiano qui est le numéro 1 des chants de veillée. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau, Iseo, Santiano. 18,400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Bonjour, ce matin, deuxième journée de la seconde édition d'Aventura 2010 avec l'épreuve dite de la rivière qui sera constituée de 3 épreuves. La première épreuve consiste à ramasser 30 pierres de 10 cm de diamètre environ et pour les mettre autour pour faire un feu. La deuxième épreuve, c'est de rechercher dans les buissons autour de la rivière des éléments pour faire un feu. La troisième épreuve, c'est un relais bougie. Nous leur souhaitons bonne chance.
Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Say goodbye to the world.
world you thought you lived in, to the world you thought you lived in. Seconde édition d'Aventura 2010 qui sera ce soir constituée de trois jeux. Le premier jeu, La vache qui tâche, chante tâche.
Le principe est simple. Chaque candidat devra répéter la formule suivante. Je suis la vache chantage qui tâche numéro 1, par exemple, et appeler la vache qui tâche chantage, par exemple, numéro 2, sans se tromper, sinon il aura une tâche. Attention, c'est pas si simple que ça. Le jeu numéro 2 est le lapin chasseur. C'est une personne qui vise une autre personne. Et il doit lever les mains, et les deux personnes d'à côté doivent lever la main du côté de celui qui a levé les mains. Et enfin, le troisième et dernier jeu, le prisonnier. Le principe est simple, un prisonnier ligoté sur une chaise, un gardien les yeux bandés, et un libérateur les deux pieds joints qui doit libérer le prisonnier sans se faire toucher par le gardien. Nous allons continuer cette soirée avec un chant, Santiano, qui est le top numéro 1 des chants de veillée. Très bonne soirée. Je suis la vache chantage numéro 0. Je suis la vache qui tâche. Chantage qui tâche. Numéro 13. J'appelle la vache chantage qui tâche numéro 14. Non, je suis la vache à une tâche. Chantage qui tâche. Non. Deux. Deux tâches. Je suis la vache à combien? À deux tâches qui tâche numéro. Et j'appelle la vache sans tache qui tâche numéro 8. Non, c'est une vache sans tache. Oh, t'es mignon, toi. Sans tache qui tâche numéro 4. Tâche numéro 22. Je suis la vache sans tache qui tâche numéro 22. Et j'appelle la vache sans tache qui tâche numéro 1. Et j'appelle la vache sans tache qui tâche numéro 8. Je suis la vache sans tache qui tâche numéro 8. Et... Oh, t'es mignon, toi. Je suis la vache à une tâche. Qui tâche ? Non, c'est une vache sans tâche. J'appelle la vache sans tâche qui tâche numéro 3. Je suis la vache sans tâche qui tâche numéro 3 et j'appelle la vache sans tâche qui tâche numéro 21. 10, 11, 12. Je suis la vache sans tâche qui tâche numéro 21 et j'appelle la vache sans tâche qui tâche numéro 2. Une hésitation. Je suis la vache sans tâche numéro... Je suis la vache à une tâche qui tâche. Et j'appelle la vache sans tâche qui tâche numéro 6. Et la vache à trois tâches qui tâche numéro 1. Et j'appelle la vache qui tâche. Sans tâche. Sans tâche. Allez, boum, bingo. 4, 10, 11, 12. Oh, t'es mignon, toi. Je suis la vache à une tâche. À trois tâches. Je suis la vache à une tâche qui tâche numéro 9. Et je suis la. Je suis la vache à deux tâches qui tâche. Pour. Ouais. Voilà, bravo, petit sondou. Ouais, ça va. Ça va. Non, pas ça. Ouais, mais pas la mal vélo. Allez, Kenny, il y a pas le morceau. Ah non, le tronc. Il est derrière. Nous avons la chance que pour finir cette soirée d'avoir un duo Cédric et Gabi à la guitare pour accompagner la chanson Santiano. Et en exclusivité, c'est ce soir deux guitaristes qui jouent sur la même guitare. Et nous allons leur souhaiter de bons chants. C'est un peu trois mains, comme un oiseau, lycéo, Santiano. Je suis fier d'y être matelot. Bien bon la vague, bien bon le vent. Lycéo, Santiano. Si je veux toujours voir devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Bienvenue dans la troisième épreuve sportive de cette seconde édition d'Aventura 2010 dans la forêt aux dinosaures. Elle sera constituée de trois épreuves, dont la première, retrouver six anneaux dans cette forêt. Pour découvrir la deuxième épreuve, ils doivent avoir trouvé les six anneaux. Ainsi de même pour la troisième épreuve. Pour découvrir ces épreuves, je vous invite à regarder cette séquence dans la forêt aux dinosaures. Nous leur souhaitons bonne chance. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour l'épreuve de la forêt aux dinosaures? Oui! Alors 3, 2, 1, c'est parti! Oui.
Ok, bah allez, avec le classement suivant. En première place, avec 125 points, nous avons les oranges. En deuxième place, avec 125 points aussi, nous avons les bleus. Et enfin, en troisième position, avec 30 points, les verts. Qui n'étaient pas très en forme aujourd'hui, c'est vrai, mais demain est un autre jour. Nous retrouvons ce soir pour la troisième et dernière veillée. Troisième et dernière veillée de la seconde édition d'Aventura 2010. Ce soir, il y aura un programme très chargé constitué de 4 jeux et de 3 chants. Le premier jeu, Robineau et Mouillette. Le principe, Robineau aura les yeux bandés et devra essayer d'attraper Mouillette qui aura les chevilles liées. Ce sera ensuite suivi du chant Santiano par les Bleus
qui commenceront et qui devront nous impressionner pour avoir les 30 points. Le deuxième jeu, c'est l'âne ferré. Donc c'est deux candidats qui sont à quatre pattes, les yeux bandés, et qui doivent essayer de mettre des chaussures sur une chaise. Le premier des deux candidats qui aura réussi à mettre les quatre chaussures remportera l'épreuve. Ce sera suivi du chant des verts qui devront essayer de faire mieux que les bleus. Le troisième jeu, le fameux classique des chaises musicales. Bien sûr, il y aura une petite variante, les trois candidats auront les yeux bandés pour compliquer un peu la tâche. Ensuite, les oranges chanteront à leur tour Santiano. Et comme dernier jeu, nous avons le lapin chasseur que vous avez déjà pu voir dans la veillée précédente. C'est un bon jeu de réflexe. Nous terminons cette soirée par le classique Santiano d'Hugo Frey, à qui nous rendons un magnifique hommage chaque soir en le chantant. Et nous leur souhaitons une agréable soirée. Ouais. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau, Liceo Santiano, 18 de 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Liceo Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Maintenant tu vas de l'autre côté. C'est bon. Allez, là tu repars du même côté. Tu repars. Kevin, allez. Félicitations à l'équipe des Verts. Jusqu'à San Francisco.
bien visé là comme ça. Oui, là, là, t'as bien visé là. C'est moi ou c'est elle? Je regarde dans les. Oh merde! Oui, t'as pas levé la main, fallait que tu lèves la main. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. Il s'est haut, Santillano, 18 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Il s'est haut, Santillano, signe que toujours droit devant. Jusqu'à San Francisco, je pars pour de longs mois en laissant Margot. Iseo, Santillano, j'y pensais, j'avais le cœur beau en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Santillano, si Dieu veut toujours droit devant. Jusqu'à San Francisco, que là-bas l'argent coule à flot. Iseo, Santillano, je vous pleure au fond des ruisseaux. J'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Santillano, si Dieu veut toujours droit devant. Nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour, je viendrai chargé de cadeaux. Iseo, Santillano, au pays, j'irai voir Margot. À son doigt, je passerai l'anneau. Tiens bon la bague et tiens bon le vent. Iseo, Santillano, sur la mer, quittez le gros dos. Nous irons jusqu'à San Francisco. Nous arrivons au terme de cette seconde édition d'Aventura 2010 avec cette dernière épreuve qui s'intitule l'épreuve dite des aveugles, qui sera constituée de trois étapes. La première étape, c'est l'épreuve des drapeaux. C'est trois candidats qui ont les yeux bandés qui doivent ramasser le plus de drapeaux possible dans un terrain de jeu limité. Celui qui aura ramassé le plus de drapeaux gagnera l'épreuve. Dans la seconde étape, chaque candidat doit attraper le drapeau de la couleur de son équipe et l'amener le plus rapidement possible dans la cage d'en face. La troisième épreuve, c'est la queue du diable. Chaque candidat a une queue en tissu et doit aller dans la cage d'en face jusque le plus vite possible. Mais il peut aussi attraper la queue d'un autre candidat pour gagner 10 points en plus pour son équipe. Nous leur souhaitons bon courage et bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Vas-y, les cartes. Tout droit, tout droit, tout droit, à gauche. Vas-y, les cartes. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4. Thank you.
Mathieu, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, c'est échappé. Oula! Oula, écarte-toi, écarte-toi là. Notre seconde édition d'Aventura 2010 vient de se terminer. Nous allons donc vous annoncer le grand gagnant. Attention, attention, l'équipe gagnante est... Ce sont les Verts, nous les félicitons pour leur brillant parcours. Ils vont bientôt recevoir le DVD ainsi que les bonus et une super surprise. Si toi aussi tu as entre 8 et 15 ans et que tu rêves de participer à cette aventure, alors envoie ta candidature pour l'été 2011 à l'adresse qui s'affiche sur ton écran. Et si toi aussi tu as envie de gagner une superbe surprise, réponds à la question suivante. Quel est l'équipe qui a découvert le T-Rex du 21e siècle lors de l'épreuve en forêt au Congo? Si tu connais la réponse, envoie-la à l'adresse qui s'affiche sur ton écran. Il y a un super cadeau surprise à gagner. Attention, le gagnant sera tiré au sort. Nous vous souhaitons à tous bonne chance. Et la Ferrari n'est pas en jeu. Bonne soirée à tous. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Be there. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a
gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like on my god. Like on my god. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. Look at her dancing. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up and do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock. 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 Easy come. Easy go. Now we on top. 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 Feel the shot. Body rock. Rock it. Don't stop. 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 Round and round. Up and down. Around the clock. Rock. 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 Monday. Tuesday, Wednesday, and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. It winter, you know what we say, say. Party every day, party every day, and I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Le maximum de drapeaux. Alors bien sûr, s'il n'y a plus de drapeaux avant 2 minutes, ils reviennent bien sûr à la cage et le jeu s'arrête là. D'accord ? On comptabilise le nombre de drapeaux par candidat. Le candidat qui a amené le plus de drapeaux, d'accord, pour son équipe, marque donc 10 points. Avec le jeu, la première équipe, l'équipe qui ramasse le plus de drapeaux a gagné. Mais attention, il faut absolument que le nombre de ces drapeaux soit de la couleur de l'équipe. Et le drapeau de son équipe dans la cage d'en face le plus vite possible. Voilà. Troisième et dernière épreuve, l'épreuve dite de la... Là, j'y vois... Non, là, j'y vois pas, mais... Je regrette le HF, hein. Oh, mais les deux verres. Le drapeau de sa couleur et l'emmener le plus rapidement possible dans la cage d'en face. De l'équipe adverse, parce que ça annule carrément mes coups de truc. Faut voir quelle heure ça va. D'accord ? C'est clair pour tout le monde ? Attention à cette boulette. Dès que le top est... 2, 1... Pika derrière. Là, derrière, vas-y, stop. Vas-y. Donc, on compte combien? Ça se met 5, ils ont 5 bleus, on va être l'enlever. Non, mais... Non, pas très vite,
T'es un peu bas encore. Au moment que tu lances le truc. Attention pour partir. 3, 2, 1, partez. Tu montes un peu là. Vas-y, lâche-toi. Je crois que t'as chaud. Oui, j'ai très chaud, je me dessèche. Moi. C'est terrible. C'est une véritable éponge, il faut que je bois de l'eau. Hein, quand je dis une éponge, c'est de l'eau. Je précise bien. Le problème, c'est que si pas je de méprise. Pas, ils n'entendent plus les petits, ils n'entendent plus les autres qui les indiquent. Il faut que l'indicateur temps, c'est surtout les candidats qui doivent l'avoir. Ça va se parasiter avec. Tout droit, à droite, 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 tout droit, tout droit, tout bleu, tout bleu, tout bleu, à gauche, à gauche, à gauche, accroupis-toi, 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 à droite, à droite, à droite, à droite, stop, 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 tout droit, tout droit, tout droit, Tout droit, tout droit, tout droit, à droite.